Évidemment, je m'apprête à enregistrer une vidéo. Il n'y a jamais de travaux dans le quartier. Aujourd'hui, il y en a. Évidemment, c'est moi ça. Trop de chance. Avant, je conduisais ça. Un joli Mamachali bleu ciel. Maintenant, je conduis ça. Frères et sœurs humains, salutations. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle monture. Le Destrier Noir. Interruption de programme, Satie m'a demandé d'aller acheter du détergent. C'est parti. Hi, arigato gozaimasu. Alors, éco-vert, où es-tu? Ah, il est là. Tadam! Yosh. J'ai converti Satie au éco-vert. Maintenant, elle veut plus que ça. Emballe et c'est pesé, Simpson. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, ça c'est là. End of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. La batterie est en train de charger. Et donc pour finir de vous expliquer au sujet de mon destrier noir, j'ai payé, enfin le prix que ça vaut. C'est 240 000 yens et j'ai l'impression qu'il y a du vent. J'espère que vous allez m'entendre. Je me mets un peu dans le derrière la palissade du voisin. Mais moi, sur cette somme, je n'ai payé que l'équivalent de 400 euros. Pourquoi? Parce que je travaille pour 4 employeurs, si je compte Satchio, l'école de Satchio pour laquelle j'aide de temps en temps. De ces 4 employeurs-là, mon principal employeur a proposé à ses employés
un chèque transport alternatif du fait du pic de la pandémie que Osaka connaît, première ville touchée par le Covid ici au Japon. Et donc pour éviter les transports en commun et ce genre de trucs, métro, bus, etc. Donc notre employeur nous a proposé un chèque équivalent de 1500 euros pour acheter un vélo, plus particulièrement un vélo électrique parce que ça se développe beaucoup ici au Japon. Et les vélos de type fat bike, comme ceci, donc vélo électrique au style moto, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est l'un des seuls qui existe ici. Et donc j'ai profité de ce chèque de 1500 euros pour l'acheter. Ensuite, un autre de mes employeurs a réussi à convertir un chèque de ce qu'on appelle, ce qui équivaudrait en France à un chèque vacances. Au Japon, on appelle ça un chèque Go to Travel. C'était la campagne pour aider le tourisme l'année dernière, faite par le gouvernement nippon. Et donc, il restait à cet autre employeur un chèque de 500 euros. Donc, combiné, ça ferait 2000 euros équivalent. Et donc, comme il a coûté 2400, si j'arrondis ou si je traduis entre guillemets en euros, moi, j'ai mis que 400 euros de ma poche. Il est arrivé avec un mois de retard du fait encore de la pandémie. Et donc, j'ai réussi à négocier une option supplémentaire gratuite. Et donc, en option, j'ai pris le siège rallongé, comme ceci, parce que moi je m'assieds ici au milieu parce que c'est plus confortable. La batterie comme ceci qui est sortie de son rack, elle est amovible évidemment. Ici la clé pour verrouiller. Il a des freins à disque arrière avant, un moteur assez puissant de marque Bafang. En option aussi le panier avant et la lumière LED. Je crois que ce sont toutes les options que j'ai pris dessus. Il a une autonomie de 45-50 km. Voilà, je reviens d'un petit tour avec le vélo et je voulais vous montrer. Première charge, j'ai fait presque 100 km. Il reste encore un peu de la batterie, mais je vais le rebrancher ce soir. Donc, bon, c'est la première charge. Peut-être après, avec l'utilisation, l'autonomie va se dégrader, mais là, presque 100 km avec une seule charge, la première charge que j'utilise. Pas mal, non? En allant à fond la caisse, c'est-à-dire à 20 km/h, parce qu'il est plafonné pour respecter la législation japonaise, il est bridé à 24 km/h, mais en réalité, en utilisation, 20-21 km/h, c'est vraiment le maximum qu'on arrive à avoir en vitesse normale sur plat. Il faut vraiment être en pente et pédaler comme un malade pour essayer de dépasser cette vitesse. Donc ça, c'est un peu un mauvais point, même si je comprends la limitation de vitesse, parce qu'au Japon, les vélos peuvent être sur les routes et sur les trottoirs. Et donc, quand on est sur le trottoir, il y a beaucoup d'usagers, des personnes âgées, des enfants qui vont à l'école tout seuls, des petits-enfants, etc., des familles, etc., enfin, beaucoup d'usagers. Donc c'est pour ça que la vitesse est limitée. Mais ce qui aurait été cool, c'est de pouvoir débrider la vitesse quand on fait du tout chemin hors de la ville comme ceci. Si je dois rajouter un autre défaut, c'est qu'il n'a pas de suspension. Et malheureusement, à Osaka en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans le reste du Japon, mais dès qu'on sort des grands axes routiers piétons et qu'on prend des trottoirs ou des routes un peu plus éloignées, c'est les montagnes russes, quoi. C'est vraiment pas entretenu. Donc j'ai fait diminuer la pression des pneus pour avoir un peu plus d'amorti, mais franchement, il aurait été mieux avec des amortisseurs. Sinon, évidemment, le look est très très cool et le plaisir de conduite est vraiment total. Je ne rate pas une occasion s'il faut aller acheter du pain, poster du courrier ou quoi que ce soit pour trouver une occasion pour aller faire un tour avec. Je me régale. Ça fait une petite semaine que je l'ai et j'ai déjà presque 200 km dessus. Mais en tout cas, je suis très content de mon achat. Dernier point pour conclure cette vidéo. Si j'habitais en France, parce que malheureusement, ceux-ci ne se vendent pas au Japon, j'aurais acheté un Bikel, marque que je vous recommande parce que c'est une marque française. Le cadre du vélo est fabriqué en France, ainsi que la selle, etc. Et tout est assemblé en France. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que... Internet rame, tiens, ce matin. Voilà, Bikel.fr. C'est que vous pouvez... où est-ce que c'est? Ah, ici. Vous pouvez customiser votre vélo. Donc, vous pouvez changer
la puissance de la batterie, enfin la capacité, je ne sais pas si c'est la puissance ou la capacité, comme ceci. Vous pouvez rajouter un phare jaune ou blanc, changer la couleur de la selle, changer de guidon. Moi, je vais prendre celui-ci. Changer les roues, et c'est ça que je voulais. Je voulais des roues à flanc blanc ou plutôt crème. J'aime bien les crèmes. Comme ceci, qu'est-ce qu'il y a encore comme option? Oui, on peut changer les poignées. Alors là, ça ne va pas s'afficher sur le site, mais voilà, on peut choisir des poignées qui ont la même couleur que la selle et qui rappellent un peu le marron. Et puis on peut changer aussi pour une fourche à suspension à l'avant. Donc ça aurait été mon modèle bicycle idéal. Vous voyez le prix qui s'affiche ici. Et puis pour un vélo fabriqué en France et développé de A à Z par une petite boîte française, je trouve que c'est pas cher. Enfin, c'est un prix important, mais c'est de la qualité. C'est du fabriqué en France, donc ça vaut le coup. Voilà, donc si j'étais en France, j'aurais pas pris le vélo que je vous ai présenté aujourd'hui. J'aurais pris un bicycle qui a beaucoup plus de gueule et puis qui est made in France. Et je trouve que c'est patriote. Et voilà, quand il y a des jeunes, parce que ce sont deux jeunes qui se lancent comme ça dans l'aventure de produits nouveaux, tels que ce qu'on appelle donc les e-bikes, les fat bikes, les vélos électriques au style moto, je pense qu'il faut encourager ça. Je vous laisse avec leur clip promotionnel.